Bonjour tout le monde. Et moi vraiment quoi qui nous donne bon point un petit temps pour des autres capables de connecter avec nous. Et non live aujourd'hui, et c'est l'église de Seal Church. Non live aujourd'hui, et aujourd'hui, avant qu'il nous commence dans la parole, et m'espérer qu'il soit capable de connecter avec nous. Et vous assurer que toutes les choses sont en place et avant qu'il ne commence. Et avant qu'il ne commence avec la parole, et comme en directive, nous t'y donner, nous t'y dire que à partir de 9h30, toute la famille nous joigne dans la louange, l'adoration, dans un moment et de confinement qui nous appelle à l'île Maurice de quarantaine, que le gouvernement filmait, et à cause de mon virus et tout, qui m'ont parlé, nomme le nom pour commencer parce qu'il nous en. Maintenant, le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout mon nom. Mais avant de l'avant, et ce matin, là, qui nous l'a, et chacun de vous capable de connaître, vous êtes capable de voir, mes salutations à tous, mon frère, mon soeur qui peut connecter, qui est déjà en live, qui peut et hâte pour nous capables de rester ensemble. Et surtout que l'Église nous enseigne, nous, reste comme une famille, et nous enseigne, nous, et reste ensemble. Mais vous connaissez, c'est vraiment difficile parce que beaucoup de personnes peuvent. Peut faire nous connaître, peut avoir un message, peut dire comme ça, nous peut mordre l'église. Oui, l'église, c'est ça. L'église, c'est une place que nous tous nous joignons, nous restons ensemble. Mais c'est mon fin arrive en certaines circonstances et situations que Jésus-Christ finit aussi montrer nous que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que l'église, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est dans nous. Et aussi que Jésus-Christ finit dire dans sa parole, quand deux ou trois les rassemblés, et l'Ila, lui, au milieu de nous. Et aujourd'hui, que nous capables d'être à qui distance, qui nous capables d'être. Nous vraiment croire que le Seigneur est avec nous. Et nous la prier à peine aucune limitation que nous sommes capables d'aller. Et aujourd'hui, nous pouvons joindre en prière. Et nous pouvons commencer cela aujourd'hui à taler à la fin. Nous sommes capables de prier pour l'île Maurice. Et nous pouvons demander la main divine du Seigneur. Mais nous pouvons commencer dans la parole. Et aujourd'hui, vous connaissez. Et connectez-nous. Connectez-vous avec nous ensemble pour nous commencer à prier. Et aujourd'hui, nous pouvons commencer dans la prière. Et qui nous capable aussi, écoute, c'est que le Seigneur, qui nous capable dépose dans notre cœur pour nous partager avec les autres, dans la simplicité, les autres capables à la maison, mettez les autres à l'aise, mais nous coupons la tête ensemble et nous vous prier. Qui nous peut prier à ce là? Nous vous demandons le Saint-Esprit, le grand Saint-Esprit. Nous vous demandons, Saint-Esprit, aide-nous pour nous comprendre tes paroles, aide-nous pour nous capables de connecter en esprit. Et nous vous demandons aussi le Saint-Esprit sur la force et sur la direction. Et nous prier ensemble, nous joignons ensemble aujourd'hui, à Stella dans ce moment, nous prier pour la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me louer toi, papa, il est écrit dans tes paroles, papa. Seigneur Dieu, quand deux ou trois les rassemblés, te là, t'es au milieu de nous, aussi te fin dire dans tes paroles, Seigneur Dieu, papa. Quand nous mêmes enfants, Seigneur Dieu, nous vînons ensemble, toutes choses arrivées. Seigneur Dieu, au milieu de toutes les choses, me prier toi aujourd'hui pour la parole qui peut être partagée. Il est écrit dans tes paroles, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Papa, vous priez-toi pour nos mêmes frères, pour nos mêmes sœurs qui peuvent connecter avec nous. Vous priez-toi aussi pour toutes les églises de l'île Maurice, papa. Ceux qui pas connu, qui peuvent connecter avec nous, papa, me compte beaucoup de la grâce et de l'amour, papa. Nous sommes une seule famille, papa. Aujourd'hui, vous priez-toi pour tes paroles et vous demande-toi, Saint-Esprit, aide-nous, moi-même, tout mon pensée captif à l'obéissance de tes paroles. Et ce matin, Seigneur, tout mon obstacle, mon empêchement, mon petite chose qui peut bloquer ce moment de partage-là, me prend l'autorité, moi, tâche tout mon esprit, me lier dans le monde spirituel, toute ma puissance de l'adversaire, et me prier, toi, que ton peuple, Seigneur Dieu, papa, je suis capable de passer un moment ensemble, Seigneur Dieu, in sharing, in the name of Jesus Christ. Amen, 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 amen. Et une parole dans lesquelles et nous pouvons de la Bible ce matin dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 1er. 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 7. 2 Timothée 1er, le verset 7. Me tenir en courage, chacun d'entre nous qui peut et entendre ce message et nous capables aussi mettre-le en pratique, que ce message il passe dans nos oreilles, mais qu'il descende dans nos lesquelles. Et nous prenons, nous mettons en pratique parce que nous pouvons biser la parole dans ce moment-là. Et le monde en détresse. Et moi, j'ai envie de dire, ça me partage ça simplement. Et c'est ça que Dieu finit de dire dans sa parole.
Dieu vient dire, bon, pour prendre des petites choses, bon, pour confondre, man, petite chose. Qui Dieu, tu peux redire, man, petite chose, les veines de ce monde, pour confondre, man, grand, petite chose. Et pour être franc avec vous, bon, prendre l'exemple de ce virus qui met le monde à genoux et saisisse un petit la poussière. Et Dieu vient montrer dans ce grand air qui, le plus petite chose, fin récit met un monde à genoux. C'est pas une bombe nucléaire ou une guerre mondiale, mais c'est la plus petite chose. Et ça, lui démontrer la grandeur de Dieu, qui Dieu est capable de faire. Mais nous pas pour cause là directement. Nous ne pouvons pas dire que c'est Dieu qui peut donner sa maladie là. Non, non, loin de là. Loin de là. Parce que la terre, c'est la terre finalement dans le péché. Quand nous pouvons suivre ce dernier temps, bon, pas pour payer, pour dire, et bon, pour franc avec cela. Quand nous payons de ça dernier temps-là, le monde finit vient en bas là-haut. Et il y a un mariage homosexuel, il y a une petite chose qui peut être fait, et il y a même une affaire inceste, que la loi peut permettre maman de marier avec enfants, enfants, frères, que c'est marié. Toutes ces choses, c'est une abomination. C'est pas Dieu qui crée sa petite chose-là. Mais quand bon Dieu se l'a levé dans une circonstance, il y a une petite chose qui peut passer. Il faut vraiment croire que c'est une sonnette d'alarme qui Dieu finit capable d'amener et le partage à l'humanité qui, quelque part, répentit. Et le premier message de Jésus-Christ quand il vient, et jamais il parle, et vous serez riche, vous serez cela. Non, non, non. Le premier message de Jésus-Christ, il dit, répentez-vous. Il trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Répentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Que chacun d'entre nous, il est celle qui chose, tous son péché. Peine à personne qui est capable de dire, n'y pas de péché. Mais tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et une petite chose, c'est qu'il y a pourtant dans sa main les temps difficiles là. Nous réaliser qui nous étions humains. Nous sommes que la poussière, nous pas qu'à fainéantie. Mais qui nous retourne à la repentance, retourne envers un Dieu qui est bon, qui est grand, qui est merveilleux. Ce nom même, il dit, il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Avant lui, pas une personne, et après lui, pas pour une personne. C'est qu'il me tient envie de passer un message, retourne vers la repentance. Vous pas connaître si pas un kiken qui est capable rétrograder ou quelque part sur la foi refroidie. Mais me demande, retourne vers Dieu qui est bon. Retournez, c'est le temps. Dieu est un Dieu qui est rempli d'amour. La parole de Dieu dit à nous, Dieu est riche en bonté, lent à la colère, retourne envers l'éternel. Bon, pas pour trop attendre moi, mais nous rentre directement dans la parole de Dieu, ce qui Dieu qui nous dépose dans notre cœur. Le livre de 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mo élabore le savoir, c'est là, nous pourrons grâce, parce que la parole, quand il est prêché, nous remercie Dieu qui finit de nous cela. Mais Dieu finit dire à nous aujourd'hui qu'il ne faudrait pas nous ayant un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Nous dit à Dieu, merci, et puis nous rentre dans la lecture et la compréhension de la parole. Seigneur, me prier toi, papa, pour chacun d'entre nous. Me glorifier toi, papa, pour de la grâce. Me remercier toi pour ta parole. Et me demander à chacun d'entre nous qui nous sommes là, qui nous comprend ta parole et nous mettons en pratique dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour nous comprendre ce verset, qui me peut redire? Et me pouvoir nous creux et du message un petit moment. Mais dans ce dernier temps-là, il y a beaucoup de manques quelque chose qui même nous manque chrétiens, ne peut pas passer. Frère, qui vous peut redire? Me ralentis-moi un petit peu pour mon carême explique ce qui vous peut redire. La Bible dit, Dieu ne pas fin donner un esprit de timidité. Dans la version française, il parle de timidité. Mais dans la version anglaise, il parle de fear. Comment fear? Je peux expliquer. God did not give us a spirit of fear. La version est grecque et appelle ça dilila. Dilila. Qui lui peut redire appelle ça fearfulness. Qui lui peut redire pour fearfulness veut dire Dieu pas fin de nous dans la version originale. Dieu pas fin de nous un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. De force. Répète après moi, de force, d'amour et de sagesse. Dieu pas fin de nous la crainte. Si on rentre un petit peu plus en profond, un autre meaning de ça, dili là, l'autre meaning de ça, un mot qui appelle fear là veut dire cowardice. Et nous nous enseignons au niveau de l'Église que Dieu pas n'appelle nous pour nous perdre.
Parce que pourquoi m'explique-je? Il y a des petites choses qui passent. Frère, mon père, père, attends, laisse-moi m'élaborer là pour que je comprenne. Il y a une frayeur qui peut passer par rapport à ce virus qu'on appelle coronavirus. Ce virus-là, il peut envahir le monde, il est automatique. Il est automatique qui ne peut capable d'un père. Mais tous ces camarades à côté de toi, si ton famille, si tu es tout seul, tous toi-même, et tu sais, et dire que faudrait pas mon père. Tous toi-même dire faudrait pas mon père. Dieu n'est pas venu donner un esprit de frayeur. Moi, explique-je, la peur, c'est quoi? La peur, comme on explique dans une version créole, mon papa a cause en anglais, la peur, c'est une appréhension d'une petite chose qui peut encore arriver. La peur, c'est quoi? C'est, comment dire, bon, prendre l'exemple dans le contexte, quand on est petit, nos parents, tu peux faire nous un père, que en Balili, à soi, monte le libonnaire, en Balili, il y a un bolon qui peut attendre toi. Quand une vie grande, on comprend que, avec les temps, quand une grande, nous tu dis grand. Quand une vie grande, on comprend qui en Balili, peine aucun bolon. C'est une appréhension qui m'amène à mettre dans la tête pour faire nous une peur. Nous, en tant qu'enfants bondiers, la peur veut dire, moi, j'ai une peur pour quelque chose qui peut encore arriver. Frère, moi, j'ai une peur, tension, ça virus ça tous moi. Mais il peut encore tous toi. Pourquoi tu as besoin d'une peur? Dieu parle fin de nous un esprit de crainte. Même au coup, lié à qui Dieu fin de nous, un esprit de force. Tous toi-même dire force. Force pour faire face à n'importe quelle circonstance. D'amour pour nous capables content bon Dieu malgré la circonstance. Même l'Église pas capable opérer, mais nous sommes l'Église. Nous besoin d'avoir toujours cet amour pour bon Dieu et de sagesse. Sagesse c'est que beaucoup disent moi un chrétien me montre le chemin et t'as l'air pour vivre là. Moi j'ai beaucoup de bons messages qui m'ont pour passer à tous ceux qui pétonnent nous. Dis-moi capable de dire pas pour mettre un masque, bon Dieu pour protéger. Oui Dieu protège. Mais nous bisons prendre nos précautions nécessaires. Le livre de Proverbes finit dire nous, finit explique nous. Le livre de Proverbes finit montrer nous que faudrait pas nous faire la négligence. Faudrait pas nous faire la négligence. Maintenant c'est que l'appréhension de la peur côte les sorties côte les vignes. La peur c'est qu'il me paie tant chaud quelque chose arrive moi. Mais aujourd'hui nous retournons dans nous-mêmes. Et aujourd'hui nous réfléchissons loin de quelque chose. Mais pour lire un verset, nous pour base tout nous l'enseignement sur cela. Et ce n'est que, moi pour être franc avec vous, depuis ça, il commence à éclater. Même en la Chine, quand ça m'a un problème là, tiens, c'est le verset qui vient dans mon lequel. Et ce verset, c'est, le mot qui m'a demandé, c'est le chapitre. Le chapitre qui me reste dans mon lequel, c'est le psaume 91. Et moi vous demande tout, je n'ai pas la Bible, nous venons le livre de psaume 91. Moi pour base moi, le verset. Avant, et le psaume 91 et le verset 4. Bon, pour expliquer maintenant pourquoi il ne faudrait pas nous guimper. C'est normal, l'innormal, parce qu'il fait, nous trouve tant de choses. Mais bon, pour partager une petite chose avec vous, comprends-moi bien. Nous bisons comprendre qu'il y a beaucoup de informations qui peuvent traverser pour amener la crainte dans nous les cœurs. Nous, dans ce moment-là, il ne faudrait pas nous laisser la crainte-là rentrer dans nous les cœurs. Ce qui vient rentrer dans ce moment-là, c'est la parole de Dieu. Moi, explique-toi une petite chose. Nous, cerveau, il capte tout quelque chose. Du moment où on laisse-moi ouvert, tant d'immunité, nous peut croire qu'il nous cite en chaud quelque chose. Non, écoute-moi qui m'a dit pour dire. Dieu, il y a un Dieu, nous pourrons guette dans la parole de Dieu. Pourquoi faut-il pas nous guimper? Dieu, il y a un Dieu qui compte protéger sur mes enfants. Dieu, il y a un Dieu qui est fidèle. Tous tes camarades, et soit tous toi-même, te dire fidèle. Nous lisons la Bible, le livre de Psaume 91, c'est ça que Dieu fait une dépose dans mon équerre. Il dit, il te couvrira de ses plumes, tu ne te réfugieras sous ses ailes. Donne-moi, mon plus envie, souligner sa mot-là, souligner, sa vérité est un bouclier, est une cuirasse. Qui peut dire la version anglaise, il dit comme cela, et ce faithfulness, Dieu est un Dieu qui est fidèle. Et mon poids, pèse-moi bien l'eau là. C'est quoi la fidélité? Et là, beaucoup parmi nous, nos parents, dans ce moment-là, nous protègent nos enfants. Nous ne laissons pas nos enfants à eux, à les autres, nous ne laissons pas nos enfants en contact avec des autres. Nous protègent nos enfants. Nous, nos enfants, bon Dieu, et tout mon chrétien qui pète en moi là maintenant, beaucoup de fois, nous oublions valeur qui nous est devant mon Dieu. Et beaucoup de fois, nous oublions que Dieu est fidèle.
nous ne capables de demeurer infidèles. Arrivé un moment, nous capables d'oublier bon Dieu, rétrograder, tomber dans une circonstance, dans une situation. Mais c'est moi qui ai envie de dire aux autres, il y a un Dieu qui tout le temps demeure fidèle par rapport à sa nature, lui-même est fidèle. Et par rapport à sa parole, il n'y a personne capable de révoquer sa parole. Et sa parole, tout le temps, fait dire. Dieu est fidèle, il peut accomplir sa promesse. Et aujourd'hui, toi qui l'as, tu n'as la peur parce qu'il te porte une conne qui te bondit, il y a un Dieu qui est fidèle. Et il finit dire dans sa parole, il peut couver à toi. Moi, je ne connais pas à Maurice, moi vraiment quoi. Tu dis, moi, il me trouve un oiseau ou une maman poule qui, quelque part, vient prendre ce man's enfant, met en bas sur les ailes pour protéger ses enfants-là. Et le commencement du livre de Somme 91 dit comme cela. Et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose. Tout ce même dit reposer. Qu'est-ce que ça, reposer, veut dire rest en anglais. Rest, hein, qui Dieu dit, be still and know that I am God. Reste tranquille, God, toi, tranquille. Qui ça veut dire rest? Ça veut dire qu'il m'aurait sans place, m'aurait dormi, m'aurait pas sorti. Non. Rest veut dire, God te pensée claire. Pas laisse aucune petite chose négative prendre de te la tête. Pas laisse n'ennuyer de ma mauvaise pensée, ma influence, telle quantité du monde, une mot. Non, 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 non. Dieu est fidèle. Dieu est grand. Dieu est dans le pouvoir. T'as l'air de pouvoir guetter ça bien au profond. Dieu est dans le pouvoir pour protéger ce mal enfant. Et moi, tu as envie aujourd'hui de mettre ça bien dans tes équerres. Aujourd'hui, Dieu est fidèle. Il est fidèle avec sa parole. Tout ce qu'il finit de dire dans le livre de Somme 91, il dit à toi, regarde-moi extra content ça verset là. Il dit comme ça, il dit comme cela, tu ne craindrais ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Dieu ne dit, t'es pas pour toucher, il dit à toi, 1000 poutons à ton côté, 10 000 à ton droit, t'es pas pour être atteint. Continuellement, il dit une autre petite chose qui m'est extra content, encore là-dedans, il dit comme cela, aucun, le verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau, papa, proche de te l'attendre. L'attente, c'est quoi? À l'époque qui cette livre a été écrit, pas t'y dans ma case en béton, pas t'y dans, mais c'est moi, man dis-moi, tu peux habiter dans ma hutte, man dis-moi, tu habites dans ma l'attente. Mais qu'est-ce qu'il dit? Aucun malheur, aucun fléau, papa, proche de te l'attendre. Tu as besoin de comprendre une petite chose. Si tu fais ton papa qui dans les ciels confiance, lui pour protéger toi. Moi, prendre un exemple. Mon enfant, fais-moi confiance. Zot man enfant, fais-moi confiance. Jamais est-ce qu'il y a un papa, est-ce qu'il est capable, par lui-même, à moins qu'il y ait un papa qui n'est pas capable de prendre ses responsabilités, par lui-même, il est capable d'offrir ses enfants avec un danger. Non. Si nous, dans notre nature, nous n'avons pas capable de faire cela, Dieu, à qui plus faute raison, il est capable de protéger ce man enfant. Dieu, protège-moi. Dieu, protège-moi. Nous disons trois fois. Dieu, protège-moi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle par rapport à toi qui l'as dit. Ceux qui pétonnent la parole aujourd'hui, Dieu est un Dieu qui est fidèle. Il n'a pas pour abandonner toi, il n'a pas pour délaisser toi. Et il y a un verset qui m'extra content, me prend la référence, mon cas de nous autres, c'est le livre de Zacharie, chapitre 2, le verset 8. Ceux qui peuvent écrire, je te apprends, il dit comme cela, celui qui touche à mon oint, il touche à la prunelle de mes yeux. Prunelle de tes yeux, ça ligée là. Qui s'en a pour permettre de tous te liger? Non, il protéger. Dieu me protéger. Dieu lui envie protège-toi. Mais seulement, tu as besoin de faire lui confiance. Confiance comme quoi? Confiance, pareil comme un enfant, lui faire confiance ce papa. Malgré qu'il danger qui est non, lui connaît ce papa, lui là, like a standing block. Comme un kicken solide pour protéger lui. Les enfants là, lui pour capable faire ce détour, lui pour virer, tourner. Mais seulement, lui connaît ce papa, puis il déboute là. Aujourd'hui, connais qui le Père qui est dans les cieux, l'India toi aujourd'hui, qui te la vie, toi qui l'as, te la vie dans ce lamé. Et il regarde toi comme la prunelle de tes yeux, de ses yeux, pardon. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'a envie de partager. La première chose qui m'a envie de partager avec toi aujourd'hui, Dieu est fidèle. Il pour protège toi, il pour garde toi. L'India dans sa parole, mon pas voye mon ange pour camp autour de toi. Le livre de Somme 34, verset 7, il dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et ils arrachent du danger. » Le livre de Somme 4, verset 8, il dit encore dans la parole « Qui Dieu vous protège. Je me couche, je m'endors en paix car c'est toi qui donnes du sécurité à ma demeure. » Dieu, il y a un Dieu qui nous protège nous et il fait une promesse qu'il nous protège. Aujourd'hui, j'ai envie de dire une affaire. Le mot anglais, mon budgetoire, « Rest assured »,« Rest confiant » qui te bondit pour protéger toi. Et aujourd'hui, il finit de mettre
un mur de feu. Nous parlons d'un petit peu plus en détail, un petit moment par rapport qui fait Dieu nous protège nous. Mais aujourd'hui, moi tu as envie explique zot un petit chose. Et ce qui moi tu as envie explique zot un petit chose, c'est l'histoire l'y répéter. Moi petit dire ça dans le livre de Ecclésiaste 1 verset 9. Les choses qui tu viens de passer pour revenir. En un cycle la terre. It's turn around. Les tout temps arrivés. Les choses qui dans le passé pour revenir. Quelque chose qui était pas derrière pour réarriver. Le livre d'Ecclésiaste chapitre 1 le verset 9. Et pour moi, quand me trouve la circonstance, me trouver que ça l'est en là pour revenir. Et quand ça l'est en là pour revenir, il peut venir un moment pareil que mes enfants bondiers qui dans l'Égypte. Donne-moi une minute pour expliquer ça. Qu'est-ce qui t'y peut passer? À l'époque, c'est né que Joseph. Et quand Joseph t'y allait, t'y sauve le pays d'Égypte par rapport à une catastrophe et tout le monde qui t'y tu arrives à un certain moment, il fait toute sa famille. Quand sa famille finit traverser, et il finit rentrer dans le pays, et il y a une révélation là dans mon poule. Quand il dit sa famille traverse, donne-moi bien, Joseph finit à l'envers Pharaon, et il dit Pharaon comme cela, Pharaon, mon famille, je man éleveur, je man berger de mon troupeau. Qui fait Joseph finit ça à Pharaon? Et il finit ça à Pharaon parce que il tient abomination pour mon Égyptien pour être capable et entourer avec mon berger. Maintenant, qui est Pharaon finit à Joseph? Il dit à Joseph comme cela, ok, éloigne-toi, prends le pays de Goshen. L'Ipan laisse-lui rentrer dans l'Égypte. L'Ifin prend le pays de Goshen. Et nous trouvons dans le livre d'Exode chapitre 12, quand il est dans le livre d'Exode 9, 10, 11, 12, quand il finit dans un fléau, le 10 plaies de l'Égypte, qui m'aura pour entendre en détail, qui finit touche et chaque est parti de l'Égypte, regarde ce que la Bible dit. Aucun saman kitsosa pan fin touche le pays de Goshen. La simple raison pourquoi le peuple, quand il finit vini, il rentre dans l'Égypte. L'Égypte représente le monde. À cause de ça que Dieu dit, la première petite chose que tout le monde besoin comprendre aujourd'hui, au milieu de sa circonstance qui est difficile là, il y a une petite chose que Dieu envie mettre ça dans la vie de tous les peuples. À cause de ça que beaucoup de personnes disent, frère, mais qui fait aux causes cri comme ça, qui fait aux causes franc comme ça, c'est l'Église qui fait les causes la vérité. Vous pouvez expliquer pourquoi. Beaucoup de monde dit la grâce, mais aujourd'hui vous dites la sainteté. La sainteté. Le peuple finit rentrer pour rentrer dans le pays d'Égypte qui représente le monde. Mais le leader finit dire comme cela, non. Joseph finit dire, finit plaidoyer, pas les autres rentrent dans le pays d'Égypte, donne-nous un pays pour eux. La protection commençait quand nous séparons du monde et de la malpropreté de ces mondes-là. Le monde pourra le couler. Mais à cause de ça, Dieu dit, sautez au milieu d'eux. Sautez, pas de cela, sautez au milieu d'eux. Ce qui me tient envie de partager avec eux, quand ça finit rentrer, maintenant finit séparer eux. Parce que maintenant tu crois que mon berger, maintenant que c'est une abomination. Oui, nous arrivons à comprendre ça. Nous n'avons pas certaines langues, mais nous pourrions aller, mais nous les mondes n'y parlent. Mais c'est ce qui aujourd'hui, au milieu de ce pays de Goshen. Dieu pour empêcher comprendre bien, le pays de Goshen est touché. Parce que maintenant, il s'est séparé. Quand il s'est séparé, Léala, tout fléau fin tombe dans l'Égypte, mais il n'est pas fin tombe de Goshen. Goshen, pour être franc avec eux, ne peut pas faire une recherche, ne peut pas comprendre. Et le livre de Exode nous montre nous clairement. Il n'est pas trop loin. Parce que pourquoi? Pour Joseph, il est dans un pays. Et de l'Égypte, Goshen dit quelque part environ nord-ouest. Nord-ouest de l'Égypte. Il est parti trop loin parce que pourquoi Moka a besoin de cela? Parce qu'il écrit dans la parole de Dieu que Joseph pour besoin de sa famille, il dit que moi, prépare mon champ pour besoin de Dieu. Parce qu'il s'est loin, il faut prendre les temps. Mais c'était quelque part près. Comprends-moi bien qui fait mon père répondre Dieu. Tout cela, on peut expliquer tout ça. Goshen dit près que l'Égypte. Pareil comme nous enfants, bon Dieu, nous dans un pays qui peut être affecté. Mais seulement, il y a une différence entre Goshen et l'Égypte. Beaucoup de monde pensaient que l'Égypte est loin, et puis Goshen dit non, non. Mais vraiment, quoi qu'il est assez près. Parce qu'il y a une mesure, il y a une façon qui, maintenant, tu peux voyager, qui est bizarre assez vite. Parce que Joseph Pouli, en tant que ministre de ce pays-là, tu viens assez près,
pour les cas rester avec sa famille et puis venir dans le pays d'Égypte. Ce qui me tient bien aujourd'hui, partage avec vous, c'est que Dieu il protège Goshen. Si Dieu il protège Goshen, Dieu pour protéger ce peuple-là qui est dans l'île Maurice et me demande de croire dans cela. Parce que quand tu es dans un fléau, tu es dans quelque chose, tu es mort. Quand tu es dans même un éclipse pendant plusieurs jours, qui partit dans la lumière sur le pays, dans le pays de Goshen, tient la lumière. Dieu fait une différence et pour base-moi sur la parole qui simplement y expliquer aujourd'hui. Bon, pour créer une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Dieu est une limite. Dieu protège son peuple. Tout toi-même et dit Dieu, protège-moi. Voilà un petit peu plus profond maintenant. Maintenant, arrive le jour, tu arrives le livre et tout cela finit écrit dans le livre d'Exode. Le livre d'Exode, chapitre 12. Il parle d'une petite chose et il finit montrer et il finit expliquer le livre d'Exode chapitre 12. C'est une petite chose qui nous appelle la Pâque. Beaucoup de gens pensent que la Pâque est une célébration. Non, non, non. En anglais, quand on retourne en anglais, on appelle « the Passover ». Je vais vous expliquer pourquoi on appelle « the Passover ». Dans ce « Passover » là, finit dans une petite chose et finit dans une petite chose qui t'est arrivée. Quand là, tu es dans l'ange de la mort, tu viens de passer. L'ange de la mort, tu peux frapper tout mon premier-né. Tout mon premier-né dans ma famille et tout mon premier-né dans mon troupeau aussi. Quand l'ange de la mort, tu peux passer, tu es la seule qui te sauve. Et c'est ça qui aujourd'hui, moi, envie de réjouir moi sur cela. Toi qui peux entendre ce message aujourd'hui, réjouis-toi de ce message qui m'a pour te passer avec toi. Là. Quand l'ange de la mort pour venir, tu es la seule qui te sauve, qui t'empêche, ça, l'ange de la mort là, traverser pour rentrer dans la case là. Tu te ramènes à la case. Je ne connais pas pourquoi, mais je ressens ça au plus profond de mon équipe et j'ai envie de porter ça avec Dieu. Nouvelle de la Bible, et mon fille note la nouvelle de la Bible dans le livre de Ésaïe 26, verset 20. Ésaïe 26, verset 20. Ésaïe 26, verset 20. Vous donnez le temps, vous donnez le temps pour être capable d'ouvrir la Bible. Ésaïe 26, verset 20. Bon, vraiment, même malgré nous live, ne pas mettre nous la Bible à côté. Hein? Amène la Bible malgré nous live. Et vous pourrez dire, nous avons peut-être dit, est vite potable. Amen. Amen. Et le livre d'Ésaïe 26, le verset 20. Bon, pour expliquer une petite chose, il est vraiment important. Et aussi le livre d'Exode, chapitre 12, verset 47, qui peut prendre note, prendre note. Bon, Ésaïe 26, verset 20, Exode 12, verset 46. Regarde ce qu'il dit. Il dit, va mon peuple, bon, dans Ésaïe 26, verset 20. Va mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à que la fureur soit passée. Frère, mais qui fait on peut dire ça? Moi, explique-je une petite chose. Quand la Pâque t'y passait, la Pâque qui m'appelle Passover, c'est pas la Pâque l'amusement. Comprends-moi bien. La Pâque, dans l'anglais, on appelle ça de Passover. Qui fait appeler Passover? Maintenant, tu prends un sacrificial lamb, qui m'appelle en français un agneau qui m'en a fait immoler. Maintenant, tu prends ce disant, finir plique-li le linteau, la peau de la case. Comprends-moi bien, écoute, maintenant, il met-il. Maintenant, il met-il le haut, gauche et droite. Comprends-moi bien, tout ce que m'a dit, le sang de Jésus-Christ est une grande vallée. À aucun moment, Dieu parle de l'instruction pour prendre le sang pour mettre en bas. Pourquoi? Parce que quand Dieu rentre dans la case, il mord sur le sang. Et comprends-moi bien, Dieu pas pour permettre que le sang de son fils qui a été versé sur le bois de la croix lui être marché dessus. Comprends-moi bien ce que je peux dire. Le sang de l'agneau a été mis en haut sur les deux côtés. Il représente le deux mains de Christ qui a été et crucifié sur le bois de la croix. Comprends-moi bien. Cela met tu percé. Et maintenant, au centre, il représente sur l'équerre, les blessures, toutes ces choses, il finit à t'appliquer le de l'apôtre. Maintenant, pourquoi on appelle ça la Pâque? Et en anglais, il est plus facile pour vous de comprendre. The Passover. Qui est arrivé quand l'ange de la mort vient, il trouve le sang, il passe au-dessus, passe over. Il passe au-dessus et personne dans sa case-là, pas pour être atteint. Comprends-moi bien qui m'a dit. Le livre d'Ésaïe 26 dit reste à l'intérieur. Et aussi le livre d'Exode 12, verset 46, il dit quand tu es dans le Passover, quand tu es dans la Pâque, quand tu es dans l'ange de la mort, tu passes. Tout le monde est obligé de rester à l'intérieur. Et vous passez un message avec toutes les personnes. S'il vous plaît, si en cas où il n'y a pas la mer, ce n'est pas juste en tant qu'un chrétien pour faire cela.
Si vous n'avez pas un supermarché, vous vraiment quoi qui, vous avez beaucoup de choses qui vous demandent tout pour faire l'appel, parce que c'est biblique. Ah frère, c'est biblique. Oui, il est écrit que le Passover, la Pâque, a tout le monde qui est à l'intérieur. Parce qu'il y a une fureur en dehors, reste à la maison. Et moi, envie aujourd'hui aussi, faire comprendre. Frère, moi, dans le service essentiel, frère, moi, un policier, frère, moi, un nurse, ça c'est ok, Dieu comprend. Et chaque fois que tu peux sortir, applique le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire une affaire. Mon père évoque ça, mon père dit à lui parce qu'il me trouve lit tous les jours, parce qu'il m'a même bien sorti juste à cause du travail. Beaucoup disent, mon père prend ça à la légère. Mais prends ça, non, 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 c'est pas le temps. Et aujourd'hui, c'est nous l'exemple. Beaucoup de monde pensent qu'ils chrétiens, quand ils trouvent nous, non, non, nous chrétiens, c'est nous qui donnons l'exemple. Et aujourd'hui, si tu es une fille félie, fais plat des trois jours, c'est pas le temps de sortir. Reste à la maison. Frère, reste la case qui peut faire. Oh, la bonne nouvelle, c'est qu'il m'a donné toi. Combien de temps tu vas assiser avec ta famille pour gagner un bon petit déjeuner, un bon déjeuner, un bon dîner ensemble? Reste ensemble, louez bon Dieu. L'église, pas c'est un bâtiment. L'église, c'est la famille, ta famille. Reste ensemble. Praise, worship, louez, adore bon Dieu. C'est un moment que tu es capable, occupe-toi de ta vieille maman, de ta vieille papa qui la casse. C'est un moment que tu es capable, occupe-toi de toi-même, de ta vie spirituelle. Frère, je suis fatigué avec le film. Pas film qui vous besoin d'arrêter ce moment-là. C'est pas pour la Bible. Ouvrez-le et remplis-vous de la parole. Beaucoup de quelqu'un me téléphone moi ce dernier temps, puis dit, mon frère, mon père. Et moi, je réponds toutes les personnes avec une seule question. Combien la parole vous peut lire? Combien la parole vous peut lire? Plus ou pour remplir ou, comprends-moi bien qui m'a pour expliquer zot aujourd'hui, qui peut entendre et ce qui m'a pour dire. Mon envie explique zot aujourd'hui une petite chose. Mon envie montre zot une petite chose aujourd'hui. Elle est vraiment importante. Dans le monde spirituel, peine à vacuum, l'espace vide pas exister. Moi, explique ça. À cause de ça que Jésus-Christ vient de dire, quand un démon il saute dans la mienne, du monde y allait, quand il y allait, il y a une place aride, il pour retourner. C'est-à-dire, il trouvait que la casa fin bien nettoyée, au nez, il pour prendre 7 plus pire qu'il y pour rentrer. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, vacuum place. C'est-à-dire, l'espace vide pas exister. La nature même lui montre nous. Pour une formation d'un cyclone, faudrait quand il a l'air fin chauffé, quand monter, il est remplacé par l'air frais. La nature même nous montre nous. Ce qui m'a bien envie aujourd'hui, dis autres, que l'espace vide de ta vie pour créer beaucoup de chaos. L'espace vide de ta vie. Ce qui m'a envie aujourd'hui, dis à toi, remplis-toi de la parole. C'est le temps pour rester. Tu es capable, repose-toi les corps. Toi qui es fatigué, tu es tellement travail, repose-toi. Et c'est un moment, pardonne-moi, mon papa ne met aucune imposition le week-end. C'est le moment que tu es capable, reste le soir pour te prier. Parce qu'il te connaît, tu es capable de passer 10 heures jusqu'à 1 heure du matin, tu passes le temps pour prier, pour lire la parole, tu es tranquille. Le matin, tu lèves un peu tard. C'est le temps. Moi, je me trouve lit comme cela. Mon papa est contradire et personne ne me trouve lit. C'est un moment que Dieu donne nous pour nous retourner dans nous-mêmes. Ce n'est pas un moment pour toi la mer pour amuser. Ce n'est pas un moment pour être capable de faire tam-tam. C'est un moment pour rassembler. Non, 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 c'est le moment. Pour moi, quelque part, c'est une sonnette d'alarme apocalyptique qui, quelque part, Dieu peut faire comprendre. Tu es capable d'avoir une casse dans ton poste, mais tu n'es pas pour gagner manger. Tu es capable d'avoir dans l'auto. Frère, mon frère Castien, Mercedes. Frère, mon frère Castien, BM, qui ne pas compte. Mais est-ce qu'il te peut rouler là? Frère, mon frère, un grand la case. Un petit virus case est un grand la case. C'est le temps de retourner vers la source. La source, c'est quoi? La simplicité. La simplicité de rester en famille. La simplicité pour avoir un moment de prière. Je me pose une question ce matin. Je ne vais pas rentrer dans la vie privée parce que. Je connais toutes les affaires qu'il a vie privée, c'est maintenant dire, je vais faire une caisse contre tout frère. Je vais prendre la cour, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ok, relax, je vais poser une autre question. Je vais poser une question. Quand dernière fois, on rassemblait aux familles pour nous prier. Quand dernière fois, on récit un dîner à table, tout le monde nous rend grâce, je vais prier. Quand dernière fois, je prends un instrument de musique, je sens un chant. C'est le temps. C'est le temps de rester parce que l'ange de la mort, the Passover, peut arriver. Restez à l'intérieur, restez en famille, trouve le moment pour capable resserrer les liens. Si tu es fini, c'est le moment aussi que tu es capable de faire pardonner quelqu'un. C'est le moment pour toi aller, pour te capable pardonner quelqu'un. Je vais terminer sur cela et je vais expliquer que le sang de Jésus-Christ, il y a une grande valeur. Que même quand l'ange de la mort vient passer, il trouve le sang à l'intérieur de la porte. Il trouve le sang à l'intérieur de la porte. Il crée une petite chose. Qui l'infine crée? L'infine crée la protection. Et aujourd'hui, qui le sang protège toi.
Dis à moi plus que le sang de Jésus-Christ. Si tu n'es pas un croyant dans le sang, aujourd'hui, mon vie, j'attends. Le livre d'Apocalypse, il dit, nous m'avons élu, nous finissons vaincre à cause le sang de l'agneau et nous finissons vaincre à cause du témoignage qu'il nous finit donner. Le sang de Jésus-Christ, c'est une grande puissance. Moi, des gens, je beaucoup de chrétiens de venir dire, moi, ça, c'est l'Ancien Testament. Oh, le sang de Jésus-Christ est toujours une valeur. C'est le sang qui a été versé pour nous, le sang de notre protection. Et aujourd'hui, quand on applique le sang de Jésus-Christ spirituellement, on ne parle pas des apprentissants appliqués, non, le sang spirituel de Jésus-Christ. Moi, applique le sang dans ma vie. Moi, applique le sang dans l'intérieur de la porte de ma case. Moi, applique le sang autour de ma cour. Moi, applique le sang le mot monsieur, le mot madame, le mot mes enfants. Et une petite chose qui passait. Et une protection qui arrivait. Et aujourd'hui, mon vie partage avec vous aujourd'hui. Et mon fils dit, pas un père. Pas un père. Et aujourd'hui, nous pouvons lire les promesses de Dieu. Le livre de Somme 91. Nous lisons ensemble le livre de Somme 91. Nous pouvons lire les promesses qui Dieu finit dire. Et pour moi, c'est la plus grande beauté. Et c'est ça qui aujourd'hui me partage avec vous. Ça chapitre-là, vous avez une vivant dans la vie. Tous les jours, matin, soir, quand on gagne le temps, confesse-le. Beaucoup de gens confessent, aïe, attention, arrive-moi quelque chose. Pas oublier, le pouvoir de la vie, le pouvoir de la vie, de la mort, il tombe le tout la langue. À cause de ça, il y a des femmes qui ne parlent même nom, le nom de ce virus-là. Je n'ai qu'à appeler un virus qui nous. Parce que pourquoi? Parce que le pouvoir de la vie, de la mort, il trouble tout la langue. Pas besoin de te perdre. Mais la parole de Dieu, pas besoin de te perdre. Aïe, frère, mon lagos fait faire mal. Mais tu n'as pas une infection la gauche. Parce que ça veut dire qu'il y a ce virus-là. Aïe, frère, mon béguin la fièvre. On a gagné l'autre la fièvre. Bon, médecine, remercie le Seigneur et reste à la maison. Dieu pour guérir toi. Pas besoin de mélange toi. Pas besoin de. Il y a une tendance de pression. C'est qui, moi, on peut ressentir dans ces derniers temps-là. Il y a une pression artificielle. Un stress dans le monde spirituel. Mais nous, mes enfants de Dieu, c'est un moment qui nous besoin de réjouir parce que nous sommes dans le pays de Goshen, séparés de l'Égypte. Nous sommes là et nous avons une promesse aujourd'hui qui nous lie ensemble. Ouvrez la Bible, le livre de Somme 91, vous donnez quelques secondes pour être capable et préparer pour nous lier ensemble. Nous pouvons lier ensemble complètement et puis comment nous pouvons finir lier ça, nous pouvons prier. Nous pouvons prier et tous toi-même dire tout ça m'a promis ça pour moi. Fais toi-même comprendre. Nous des enseignants au niveau de l'église et David lui-même dit cause à cela. Il dit, mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de nous? Qui fait toi battre? Prends, reprends vie, ressortis côté de toi. Aujourd'hui, cause en toi-même. Et aujourd'hui, tout ça, mon verset-là, tout ce toi-même, tout ce camarade à côté de toi. Et Dieu dit, comme ça verset-là, il est pour moi. Il est pour moi. Ça promet ça pour moi. Parlez, Dieu dit, matin, soir, tous les jours. Et nous vraiment croire qu'il n'en ait aucun brin de tes cheveux pas pour toucher. Par la foi, nous confessons que Dieu est dans le pouvoir absolu pour protéger ce monde d'enfants. Dieu est dans le pouvoir pour guérir. Dieu est dans le pouvoir pour toucher. Dieu est dans le pouvoir pour protéger. Dieu vient dire à moi pour déployer mon ange, pour camper autour de toi, pour surveiller toi. C'est la promesse de Dieu. Regarde qu'il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Nous disons, confiez-nous dans mon Dieu. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Qu'est-ce que promesse, l'idéal est pour couvrir toi. Pourquoi t'inquiète-toi? Rest into the Lord. Tous les matins, tu finis prier, tu appliques le sang de Jésus-Christ. Dis-lui, papa, me remercie-toi pour ta protection. T'allais nous vous prier pour l'île Maurice. Vous pas connaître combien de cas malades n'arrive 14. Nous vous prions des seigneurs, nous pouvons implorer le Seigneur. Seigneur, que cela y a arrêté, que ce fléau y a arrêté parce qu'il finit d'écrire dans la parole de Dieu. L'ange, que quand nous prions, quand nous manquons juste la prière fervente demande juste et d'une grande efficacité. Et il finit de dire aussi, il te couvrira de ses plumes. Tu te refugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Le verset 5, tu ne craindrais ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Et Dieu se promesse, n'en y est. Te regarde seulement de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Quand tu es mon refuge, ô l'Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Le verset 10 est important. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il le donnera pour toi. Oh, dans ses anges, pour te garder dans toutes tes voies.
Un virus capable de venir, mais mon ange pour protéger toi, tu as besoin dans la foi. Il est capable dans l'air, mais tu as une protection divine. Dis à moi, crois que Dieu est capable de protéger moi. Dis à lui, fond de toutes les cœurs, plus fort qu'il est capable. Moi, crois que Dieu est capable de protéger moi. Moi, continue. Mon ange pour porter moi sur mes mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Moi, pour marcher sur le lion, sur la vipère, je foulerai le lionceau et le dragon. Tu pour foule au nom de Jésus-Christ cette virus. Et en bas les pieds. Tu pour capable de m'assurer. Rien pas pareil toi. Dis-moi, il a la foi dans mon bon Dieu. Dis-moi, il faut, il a la foi dans mon bon Dieu. Parce qu'il regarde la promesse qui me termine sur cela. La promesse qui Dieu donnait. Parce, puisqu'il attache à moi, je t'attache à le Seigneur. Comme il dit, moi, il attache à le Seigneur. Parce qu'il attache à moi, je lui ferai échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. C'est Dieu qui peut dire ça. Dieu peut parler à toi et peut dire, parce qu'il m'attache à toi, te pour faire moi échapper, te pour protéger moi parce qu'il me compte ton nom. Il m'invoquera, te pour invoquer, il pour répondre toi. Il serait avec toi dans la détresse. Dieu, papa, abandonne toi, il est avec toi. Même quand tu marches dans le feu, il est avec toi. Au milieu de l'inondation, il est avec toi. Quand tu étais, il est avec toi. Et qu'est-ce qu'il me dit, moi pour délivrer toi. Pourquoi Dieu pour délivrer toi? Parce qu'il finit d'écrire là. Parce que Dieu est capable de glorifier ce nom. Mon envie de dire, je vais passer un message simple, je terminé. Dieu vous délivre nous, et c'est le temps, tout le monde, arrête cap l'église, parce qu'il nous trouvait maintenant l'importance d'être entre nous et frères et sœurs. Et là, des fois, nous, en tant qu'homme de Dieu, nous avons mis pression avec du monde pour venir l'église. Il n'est pas correct ça dernier temps. Là. Pourquoi? Parce qu'il te besoin galoper, parce qu'il pourquoi tu as besoin de glorifier ton bon Dieu. Dieu n'a pas pérodé ni l'eau, ni te l'argent, ni non, ni Dieu n'a pas pérodé. C'est que Dieu pérodé avec toi, toi, mon frère, mon sœur. C'est la fruit de te la lèvre, te glorifier, toi, d'eau, te louer, en esprit, en vérité. C'est ça qui Dieu pérodé. Arrête, reste dans la case quand tu es capable de venir l'église. Beaucoup de fois, votre programme, votre ici, votre là-bas, votre tout raison. Quand tu allais, moi, tu as le voyage, quand tu allais dans l'enterrement, il y a des fois, on a du monde, tout le monde pour qu'il parmi l'église. Mais c'est moi, mon Dieu, je te prends aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Trouve la valeur d'être ensemble dans la maison de Dieu. Et connais que tu as un prix à payer. Quand vous venez dans la maison de Dieu, je paye mon prix. Un sacrifice de louange. Je viens, je paye mon prix, je mets mon sortie de côté, je mets mon mariage, fiançailles, je mets tout de côté. Je mets. Moi, mettre la maladie, en fait, un chrétien qui a une douleur des dents parmi l'église, qui m'a pour dire au nom de Jésus, qui m'appelle Jésus. Mais c'est pas une douleur des dents qui va arrêter toi. C'est pas un ennui qui va arrêter toi. T'es bizarre, vine ta présence, ton papa. Et moi, termine sur cela. Regarde, Dieu qui dit, la grande promesse, Dieu dit, moi, pour rassasier toi de longs jours, et te pour trouver, et je le ferai contempler mon salut. Dieu envie de te rassasier de longs jours. Qui fait dans la tête te permettre qui tu es dans telle quantité d'eau après des semaines, mon lagos pour gratter, mon abonnement en quarantaine. C'est la peur. Qui s'en est toi pour arriver tout cela? Réjouis-toi maintenant qui te donne Dieu. Te donne Dieu qui pour protège toi. Maintenant, nous terminons, nous terminons cela, mon envie de Dieu t'en faire. Deux choses qu'il va pour faire. Premièrement, toi qui là-bas dans la case, toi qui là-bas et dans ton lieu que tu étais, tu peux t'en moi. Et dans deux fois capables, nous sommes humains. Moi-même, arrive-moi. Moi, je me disais, ressaisis-moi. Ah, frère, oui! Nous sommes des humains. Nous me disais, ressaisis. Tout ce que je me disais, moi, je me disais, ressaisis-moi. Moi, je me disais, ressaisis-moi par rapport avec la parole. Cause en toi-même. Réponds dans la prière. Mets tes genoux en bas. Dis à Dieu, franc, Père, aide-moi, moi, capable. Donne-moi un esprit, Seigneur. Et voir nos bibles. Et willing spirit. Donne-moi un esprit, moi, capable. Vaincre ça la crainte, là, papa. Et il y a pourtant mon rédiazot aujourd'hui de prier, de louer, d'adorer, de lire la Bible de te la case pour te être renforcé pour toi-même. C'est la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, moi là, pour vous prier, intimement, nous vous fermons, nous lisez, pour vous prier, nous vous gardons la main, nous les quittons. Ceux qui ont un esprit de frayeur dans eux, là que tu étais, mettez la main, nous les quittons, de vous prier. Et nous vous commande au nom de Jésus-Christ qui s'est lassé de lui casser. Oui, nous pouvons vivre dans le monde que nous avons trouvé, mais Dieu est fidèle. Dieu est pour protéger ses enfants. Comment peut arriver cela? Moi, je ne me pose pas pour poser question. Parce qu'il y a n'importe quelle circonstance, certes, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu vous trouve dans n'importe quelle circonstance pour t'y attendre de tes problèmes, pour t'y attendre de la crainte. N'en est pas pour tous toi. Mais ce qui te fait bizarre, c'est la foi. Il est écrit dans la parole. Moi, juste pour vivre par la foi.
Et si on détourne mon âme, pas pour prendre plaisir, Dieu dit à moi, pas pour prendre plaisir avec toi, si tu détournes de la foi. Tu te mets à mon bizarre dans la foi. La foi. La foi, c'est pour croire que Dieu n'a pas abandonné moi. Mette la main sur les cœurs, nous prions pour toi aujourd'hui. Toi qui n'aimes la crainte de sa manque de choses, Dieu pour délivrer toi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Vous priez, papa, dans le nom de Jésus-Christ, vous priez toi, papa, pour chacun d'entre eux autres, Seigneur. Papa, vous glorifiez toi. Et vous demande toi, Seigneur, qui que ce soit, que je t'étais, je puis entendre ce message. Vous demande toi, Seigneur, de quitter tous la vie, tous les cœurs, tous les pensées, papa. Vous demande toi, Seigneur Dieu, papa, que ça la scène de la crainte, qui le diable lui mettait, la peur n'est pas venue de toi. La crainte de l'éternel est différente, c'est la révérence, papa. Mais la peur, c'est une petite chose qui le diable mettait. Seigneur, mon appréhension, papa, de petite chose qui peut encore exister. Papa, me priez, toi qui te touche la vie de sa main qui canne. Me ordonne, au nom de Jésus-Christ, que ma scène finit cassée, ma puissance de l'adversaire qui finit garde-toi captif de tes pensées. Mais au nom de Jésus-Christ, l'y être libéré. Père, me glorifier toi, papa, et me déclarer que chacun d'entre eux finit être libéré au nom de Jésus-Christ. Me ressenti dans le monde spirituel, beaucoup, beaucoup, beaucoup parmi eux, je finis être libéré au nom de Jésus-Christ. C'est pas l'homme. Jamais je mets de confiance dans l'homme, mais mets de confiance dans sa grand Saint-Esprit qui est capable de briser ma scène et libérer les autres. Avant de terminer, nous pouvons terminer dans quelques minutes. Merci de m'attentionner. Merci de me faire de nous l'attention. Merci de me connecter. Et vous pouvez faire une petite annonce à l'air, mais nous pouvons trapper nous la main s'il y en a quelqu'un autour de nous. Nous pouvons hold on our hands. Nous pouvons prier pour l'île Maurice. Et qui nous peut demander l'île Maurice? Père, tu es un Dieu riche en amour, lent à la colère et riche en bonté. Nous pouvons demander le Seigneur, Père, s'il te plaît, épargne notre pays. Papa, qui peine en aucun man qui est infecté encore, mais garde-nous, Seigneur. Seigneur, c'est le man qui est infecté, guéris-le, sanctifie-le par ta parole. Et nous connaît que quand nous pouvons prier, quelque chose arrive. Est-ce qu'il nous dit, c'est le test, si nous la prière, nous pouvons trouver si nous la prière est efficace. Mais nous connaît efficace parce qu'il est écrit, la prière fervente de man juste est d'une grande efficacité. Nous prier ce matin, ensemble, nous mettons les quais, nous hold hands. Nous passons un moment dans la prière et nous pouvons lier, briser, casser dans le monde spirituel tout ça, un fléau qui peut revenir attaquer l'île Maurice. Nous mettons les cœurs ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Papa, me priez toi, Seigneur Dieu, papa, ce matin. Papa, me priez toi, nous joignons un seul cœur, une seule pensée, papa. Chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, papa, qui nous sommes là. Seigneur, nous mettons les cœurs, nous prier pour l'île Maurice. Pardonne-nous de nos péchés. Pardonne-nous de nous l'iniquité qui nous capable de commettre devant toi. Père, guéris-nous, guéris notre nation. Moi, applique le sang de Jésus-Christ sur l'île Maurice. Garde l'île Maurice plus près de ton cœur. Père, moi élève ce pays devant toi et me demande de la grâce dans ce pays-là. Protège ce pays-là, papa. Garde ce pays-là, papa. Puis n'en est, papa, ni virus, ni rien, pas pour papa, externe. But God, it's going to be confined. Papa, mankiken qui... malade, vous priez toi maintenant, tu es capable de guérir autres, Seigneur. Intervenir, papa, pour nous la prière fervente demande juste et une grande efficacité. Merci pour l'île Maurice, vous priez toi pour tout mon pays du monde. Père, permette, Seigneur Dieu, papa, qui m'en a trouvé le remède, papa, donne l'intelligence, la sagesse, papa, et nous finis répentis à cause de man juste. Si tu es un man juste de se nommer Gomo, t'es pas, tu peux détruire, Père, et dans la multitude de man juste qui peut mettre de l'équerre ensemble, peut prier, papa. Papa, me dis à toi, merci pour man remède, merci qui te va pour permettre, Seigneur Dieu, papa, ça épanouir, me prier toi, papa, pour chaque Mauricien qui nous capable d'être responsable, qui nous pas sauté, point oui, point non, papa, mais qui nous capable comme fine, nous reste ensemble, comme le temps, Seigneur Dieu, of pass over. Qui, Seigneur Dieu, papa, nous reste dans la maison, within, comment te fin dire, dans le livre d'Exode 12, verset 46. Père, me glorifier toi. Me dis toi, merci, papa. On vient de la fin. Nous retrouvons encore dimanche. Je fais des annonces pour être capable de comprendre. Et demain vendredi, bon, me prends l'île en autre pour être capable de comprendre. Ce mardi ici, 19h. Exactement. 18h30, nous pourrons en prier, À 19h, nous pourrons être live, pareil, pour un rayon de délivrance, pour un message pour être adressé au niveau de la délivrance. Et c'est normal qu'il qui est capable malade, c'est le moment. C'est un qui est capable de récif un déplacement, je suis capable d'entendre. Passe le message
ouvert li, parce que moi vraiment quoi, même nous à distance, miracle capable d'opérer. C'est pas l'homme qui opère mon miracle, mais le grand Saint-Esprit qui opère mon miracle. Et moi vous demande de connecter avec nous mardi, ce matin, ici à 19h, pour une réunion de délivrance, pour nous qu'à prier pour eux, nous pensons, pour nous qu'à prier pour eux. Vendredi, pas pour nous aucun live, mais vendredi à partir de 19h jusqu'à 20h15, nous pouvons continuer God Lille Maurice en intercession dans la prière. Joignez-nous, ceux même vous n'êtes pas dans l'église de Seal Church, vous êtes capables, joignez-nous en prière. Et aussi dimanche, bao, dimanche prochain, même heure, 10h, nous pouvons finir donner un post avant 5 minutes pour préparer vous, pour vous être capables de connecter. Qu'il est nous pour rentrer, nous tout le temps mettre le post à 10h, vous donner 5 minutes pour tout le monde qui a connecté pour rentrer. Si vous avez un camarade, envoyez pour qu'il a connecté pour tendre la parole a été donnée. Nous finissons de recevoir gratuitement, nous pouvons donner gratuitement pour être capable de recevoir la parole de Dieu. Connectez avec nous sur Seal Church et puis quand la quarantaine pour terminer, vous donnez une invitation au niveau de l'église. Nous trouvons à Glen Park, l'église est là-bas pour accueillir les autres, nous une famille, nous pas l'église, nous une famille. Ensemble et qu'ils soient capables de venir, qu'ils soient capables de prier pour vous et poser un problème de la drogue, des problèmes et de la vie, de la maladie. Nous là, n'importe qui problème, nous sommes capables de venir. Non, venez nous pour nous prier et qu'ils soient capables aussi respecter de ma conseil. Amen. Dieu bénisse et très bientôt aussi nous pouvons nous réjouir de la bonne vie. Amen. On se voit. God bless.